Salut tout le monde, c'est Crazy, j'espère que vous êtes extrêmement bien, c'est nickel. Aujourd'hui on se retrouve, les gens, pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart 8 Deluxe, vous le savez peut-être ou pas. Aujourd'hui, on se retrouve, comme je l'ai dit du coup, sur Mario Kart 8 Deluxe, mais plus précisément pour la vague 4 du DLC de 8 Deluxe. Et puis voilà, c'est parti, j'ai envie de vous dire. Ça fait un petit moment que j'attends la Wave 4, elle est enfin sortie, si vous le saviez peut-être pas. Et puis voilà quoi, j'ai envie de vous dire, le pouce bleu, à vous abonner, et puis voilà quoi. Aussi, vous voyez, il y a un nouveau personnage. Voilà, et bien évidemment dans cette vidéo, on va l'utiliser, Birdo. Je peux constater aussi qu'il y a 5 nouveaux personnages. C'est pas mal, donc je suppose que 2 à chaque vague. Donc je pense que c'est de là dans la vague 5, et c'est de là dans la vague 6. Et je pense que ce personnage-là va apparaître dans une prochaine update qui va, je suppose, apparaître très prochainement. Je suppose, je ne sais pas. Bref, du coup, on va prendre Birdo. Pourquoi elle fait ce son, d'ailleurs? Pourquoi elle fait ce son? Voyons voir un petit peu ses stats, magnifique. On va rester là-dessus, le petit loadout des familles. Et puis voilà, quoi. C'est magnifique. Donc, on a la coupe fruit avec virée à Amsterdam, Riverside Park, Peak Donkey Kong, ainsi que île de Yoshi. Et pour la coupe boomerang, on a bousculade à Bangkok, circuit Mario, stade Waluigi et poursuite à Singapour. Donc vous le savez peut-être ou pas, mais généralement quand une nouvelle vague sort sur 8 Deluxe, je fais généralement une coupe par vidéo. Du coup, c'est ce que je vais faire. On va pas changer les vieilles habitudes, j'ai envie de te dire. Donc Jean, je vais vous dire, c'est parti, let's go, je suis hype. Viré à Amsterdam 2, Mario Kart Tour, c'est parti, let's go, je skip. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Let's go. Boum. Boum. Attention, attention. Les lignes de la course sont un peu bizarres. Hein. Après, bon, c'est mon avis, mais... Faut aller où, là? Ok. Qu'est-ce que le Rex, il a essayé, hein? Une carapace bleue, franchement, on passe devant. Non, voilà, forcément. C'est qui, lui? Lémi. Qu'est-ce que tu veux, frérot? Allez, hop. Oh lui, mais c'est bon, hé! Vaut comme ça là, ok, ok. On fait demi-tour, pourquoi pas, hein. Non. Ouh, j'ai eu chaud. Ok, écoute, c'était assez étrange les lignes, mais les lignes de la course, mais ça va. Je me suis bien démerdé quand même, je trouve. Riverside Park de GBA. Let's go. En vrai, qu'on se le dise, les remixes de GBA, ils sont quand même pas mal. Enfin, les courses, du moins, sont vraiment pas mal. Hein. Sur 8, en vrai. Hey, qu'on se le dise. Ça n'a rien à voir
Ça n'a rien à voir que l'original. Hein. C'est français, ça? J'ai pas l'impression. Comme ça, je suis deuxième, là. Bon, c'est possible, ça. Ah, allez, hop, ça dégage. Ouais, allez, allez, c'est bon, allez, allez, allez. Allez, 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 je fais que me plaindre. Et moi, je suis un pro en vert, frérot. J'ai de la chance. Ah, allez. Hop, tu dégages, mon pote. Alors les gens aussi, je tiens à préciser, si dans le record, si dans la vidéo vous voyez qu'il y a des ralentissements et tout, bah je tenais à m'excuser, enfin je tiens à m'excuser. Pourquoi ça fait ça, je sais pas. Alors moi personnellement, comme je l'ai dit, hein, moi je le... Bah non, je l'ai jamais dit, enfin si, je l'ai dit dans une des précédentes vidéos. Mais moi perso, je les vois pas les bugs. C'est vraiment quand je monte la vidéo que les bugs sont là, frérot. Que les ralentissements et tout sont là. Surtout quand je fais une vidéo sur Mario Kart, ça fait ça. Pourquoi, je sais pas du tout. Enfin bon, que veux-tu? Dick Donkey Kong, de la Wii. Ça c'est un classique, ça. Ça fait plaisir. Vraiment, voilà, comme je dis, je tenais vraiment à m'excuser d'avance. Bon, après, c'est pas comme si c'était de ma faute, j'ai envie de te dire. Hein. Ok, petit écho, j'aime bien. Petit attention to detail, j'aime bien. Oula, bon, on peut faire le cut ou pas? Oui, on peut. Bah, ok. Est-ce qu'on peut faire le double cut? En vrai, c'est possible. En vrai. Je fais quoi là? Tiens Yoshi, prends-toi ça. Non, pas moi, j'ai dit. J'aime bien. Ok, triple trick, j'aime bien. Boum, 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 boum. Attends, double cut. Comme ça. Boum, comme ça, je l'ai mal pris, je l'ai mal fait. Ok. Bon, généralement, tu connais un 8 de luxe, t'as la kitu qui te grabe. Là, c'est pas le cas, je suis assez surpris. Eh, on voit sur l'écran, regardez. Ok. Mais je trouve 150cc c'est lent, c'est... Oh, c'est pas fun. Je comprends pas les gens qui jouent à 150cc, c'est nul. Après forcément je suis en vidéo donc je le fais, mais... Mais sinon c'est ennuyant, c'est... Point d'intérêt. 200cc c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus rapide, c'est mieux. Attends, j'ai double trick là, on est d'accord. Je suis pas fou.
J'ai voulu, ok. Attends. On va replay ça un petit coup là. Attends. On va replay ça un petit coup là. Attends. Voir les temps forts. Modifier temps fort. Course entière. Back ça. Allez, back. Comment ça j'ai double trick là? Comment c'est possible ça? Là. Hein? Attends. Bam. Et j'ai refait un autre trick. Hein? J'ai double trick sur un half-pipe. Comment c'est possible ça? Ok, damn, alright, stop, arrête. Par contre, vous voyez les petits détails de la neige, les marques de pneus et tout, c'est stylé, en vrai. Snowboard et tout, c'est stylé, en vrai. Bref, allez, c'est parti, cours suivant. Île de Yoshi, la nouvelle course, tant attendue, c'est faux. Ouais, il y avait des gens qui l'a... Ok. Custom sounds, j'aime bien. Par contre, Yoshi, c'est pas parce que c'est ton île que tu dois faire le mec, hein, je te le dis direct. Regarde ça, comment il fait le mec, là. Ok, custom sounds aussi pour les pièces, j'aime bien. Mais il est fou, lui, il me vole mes pièces, en plus. Et j'ai même pas récupéré de cadeau, ok. Par contre, ouais, les pièces, il y a une tête de Yoshi dessus, c'est stylé. Bah, comme Yoshi's Island, j'ai envie de te dire, hein. c'est normal. C'est, en vrai, c'est beau. Hein. Attends, grabe ce truc là. Ça là. Oh, mais sérieux, allez, c'est bon. C'est qui derrière moi là? Skull Rex, ok. Oui, frérot, je sais que t'es jaloux, je sais que t'es mad, que je t'ai pas pris, je sais. J'ai pas besoin de hate, quoi, c'est bon. Alors, pardon. Ok. Ciao, fou. Pauvre Mr. Krabs. Il s'est fait cramer. Rest in peace. Rest in peace. Est-ce que le Rex move? Je sais que tu hates parce que je t'ai pas pris. Mais là, t'as vu, c'est Bordeaux. C'est nouveau personnage et tout, c'est normal. Super, c'est qui hate là? Ça, c'est villageois beach. Oh là là. Beach, pardon, plage. J'ai vraiment dit le B-word avec un accent avec le plus vieil accent français possible. Non, pourquoi j'ai fait ça? Ok, c'était pas pour moi de toute façon. Ou Peach, voilà. C'était soit villageois, soit Peach. Peach, B, stop. C'est quoi ces piafs là? C'est quoi ça? Mais de toute façon, j'ai pas joué à Yoshi's Island, donc du coup, je connais pas le nom des mobs. Qui c'est qui hate là? C'est que les Rex, mes frérots. Non mais... Ok. C'est qui ça? Donkey Kong, frérot. Je sais que t'es mad parce que t'es pas arrivé premier dans ta propre course, ça je le sais très bien. Mais t'es pas obligé de hate quoi. I know you hate. Pas besoin de me le faire remonter, de me le faire savoir. Par contre Yoshi, ça va pas le faire entre toi et moi là mon frérot. Tu dégages, c'est parce que c'est ton île que tu vas arriver premier. Il est fou lui. Voilà, c'est ce qui me semblait. Ok. Attends, je vais attendre. Ok. Ok.
Dans le thème de Yoshi's Island, oh, pardon. Dans le thème de Yoshi's Island, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est un peu oublié, ça, Crazy. Hein. C'est un petit peu oublié, ça. On skip. C'est quoi, ça? Coupe pomme, coupe fruit, c'est quoi, en fait? Pas du tout. Magnifique, 63 étoiles, c'est beau, c'est magnifique, tout ça. Magnifique. Et ben voilà, les gens, c'était le premier épisode de Mario Kart 8 Deluxe Vague 4. Voilà, c'était le premier épisode. Donc, évidemment, pour les gens qui le savent déjà, je fais deux épisodes par coup. Enfin, un épisode par coup. Sachant que une vague, c'est deux coupes. Donc, deux épisodes. Bref. Du coup, en tout cas, les gens, j'espère que cette petite vidéo. Oui, je bug, désolé. J'espère que cette petite vidéo vous aura extrêmement plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à checker la description. Et puis voilà quoi. Alors, j'ai mon serveur Discord, tout ça, tu connais. Bref. Donc, aussi, les gens, merci pour les. Je sais plus, en vrai, je sais même pas combien. En fait, je sais même pas, on est à combien d'abonnés tellement ça grimpe. Frérot, avant-hier, j'étais à 921. Là, on est à 928. C'est réel, c'est incroyable. Donc, franchement, merci énormément, les gens, pour votre soutien. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, quoi. Bref, sur ce, passez une excellente journée ou une excellente soirée. Comme je le dis encore, les gens, désolé s'il y a des bugs dans la vidéo, c'est pas de ma faute. Enfin, moi, personnellement, là, quand je filme, là, il n'y a pas de bug. Bref, mais forcément, quand je monte la vidéo, ça bug, forcément. Pourquoi, j'en sais rien du tout. Bref, sur ce, passez une excellente journée ou une excellente soirée. Ciao tout le monde.